Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite brasse comme je faisais au début de mon vidéo YouTube. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas faite. Ça me manquait un petit peu de ne pas vous faire une vidéo complète sur la brasse dans mon système électrique que j'ai conçu. Si vous voulez plus de détails sur le système, on va l'expliquer tantôt pendant qu'on va brasser. Par contre, si tu veux plus de détails pour pouvoir soit te le fabriquer ou l'acheter au brasseur, les systèmes sont disponibles au brasseur, les panneaux de contrôle, les cuves, tout. Fait que si jamais ça t'intéresse d'avoir un système pilote pour ta microbrasserie ou tu veux tout simplement grossir ton équipement en haut de 50 litres, viens voir le brasseur, envoie-moi un courriel, on va te faire une soumission et ça va nous faire plaisir. Si tu te demandes c'est quoi les deux verres que je tiens dans mes mains, super facile, c'est les nouveaux verres du brasseur. Un avec le logo du brasseur, un avec le logo de Fitz. Le logo du brasseur, c'est celui-là qu'on a dans mon dos présentement. Ils sont disponibles au magasin. Par contre, faites vite, il y a une quantité limitée. On a fait 50 verres de chaque. Je veux vous dire aussi que si vous jamais vous êtes intéressé à faire la recette qu'on va brasser aujourd'hui, elle va être disponible en description en dessous de la vidéo. Ça va vous envoyer sur mon site web. Vous pouvez acheter la recette, choisir votre lover et vous avez juste à la faire à la maison dans votre équipement. C'est vraiment le fun parce que maintenant, tous nos mous du vendredi sont disponibles aussi en recette. Fait que vous avez juste à aller dans l'onglet recettes du site web et vous allez avoir toutes les descriptions, toute la petite feuille que j'ai faite pour savoir comment ça fonctionne. Mais c'est quoi qu'on brasse aujourd'hui? On brasse une choco stout, une chocolate stout ou une chocolat stout. Nomme ça comme tu veux. Petit goût de chocolat. On va mâcher un petit peu plus haut pour avoir plus de sucre résiduel. On va prendre une lover qui va aussi avoir moins d'atténuation pour laisser un beau sucre résiduel pour qu'elle soit crémeuse, onctueuse, comme on aime une stout secret. Moi, je vais rajouter un petit peu d'orange déshydraté. Quand je dis un petit peu, là, on parle environ de 1 ou 2 kg d'orange déshydraté dans mon fermenteur de 20 litres pour y donner un petit kick. Aujourd'hui, on brasse aussi le mou du vendredi. Si tu sais pas c'est quoi le mou du vendredi, à tous les vendredis, moi, Fitz le brasseur, je vous brasse une bière qu'on change environ à toutes les semaines. Pas environ, on change à toutes les semaines. C'est soit la colge, soit la blonde, soit une brown ale, soit une mid ale, soit... Nommez-les, on en fait vraiment beaucoup de variétés. Et vous pouvez venir chercher votre mou de bière à tous les vendredis. Si tu ne suis pas déjà sur Facebook ou Instagram, c'est le temps d'y aller. On dit nos mous à tous les mardis ou mercredis. Tu réserves d'avance parce qu'il y a des quantités limitées quand même, des mous disponibles. On peut monter jusqu'à 14 mous. 14 mous, ça veut dire quoi? Deux brasses dans mon système. Fait que ça fait des très grosses journées. Je vais vous montrer un peu le système à quoi il ressemble pendant qu'on va faire notre marche, pendant qu'on va travailler avec. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé à l'avoir, ça va être disponible. On s'en va faire notre marche. Ah, je vous ai oublié. Le rôle de l'empattage, c'est de sortir les sucres des grains d'orge. Alors, on va commencer par tout mettre nos grains. On y va tranquillement pour être sûr de ne pas faire de petits motons, comme d'habitude. Sinon, l'amidon reste emprisonné dans la boule de pâte. Si vous brassez à la maison dans un plus petit système, c'est le même principe. On change rien. Si on voit ici la boule de pâte, à l'intérieur, c'est sec. Fait que c'est pour cette raison-là qu'il faut bien brasser. We'll be right back.
présentement, vous avez vu sur la vidéo que sur le port qui est juste ici, on faisait une recirculation. Pendant que je mets mon grain, j'aime bien faire la recirculation pour être sûr que tout soit uniforme et que l'eau continue à bouger. Par la suite, je rajoute le petit tuyau que vous voyez présentement. Le petit tuyau qui est là va servir justement à ne pas oxyder votre mâche. Parce que oui, on peut aussi oxyder notre mâche. Pour cette raison, il ne faut pas laisser juste ici l'eau couler sans arrêt. Ça va créer de la mousse et toute la mousse qui est créée durant la fabrication est de la mousse perdue. C'est assez important de bien respecter ce principe-là, de ne pas aller trop vite pour ne pas sortir le tanin quand on va recirculer, parce que la pompe peut créer une suction. Mais aussi, si vous êtes ici à l'air puis que ça tombe directement dessus comme une pluie, dans le mâche, c'est vraiment dangereux pour oxyder. J'ai vu certains systèmes qui avaient des genres de boules de rinçage ici ou des sprays pour recirculer. Je vous le conseille vraiment pas de faire ça parce que justement, vous allez oxyder votre mâche. C'est bon pour le rinçage par contre parce que ça va vraiment faire une pluie uniforme alentour de votre grain. Mais pour la question de mâche, quand on recircule, il faut faire le moins de bulles possible, le moins de mousse possible. Si vous n'avez pas la possibilité à la maison parce que vous êtes brewing the bag ou vous avez un système avec un faux fond seulement, vous pouvez recirculer pendant 10 à 15 minutes pour éclaircir votre mou avec un pichet ou un gros contenant qui peut contenir quelques litres de mou de bière. On va prendre peut-être un petit tuyau pour l'emmener au fond de notre récipient, puis quand on va y aller, on va aller tranquillement par-dessus pour être sûr de moins faire d'oxygène possible. On laisse ça aller pendant 15-20 minutes, on fait le test d'iode. Ça consiste à prendre de la teinture d'iode et d'y déposer une goutte de ça. On peut voir à la caméra que c'est devenu vraiment noir, qui veut dire que l'amidon n'a pas fini d'être converti. Mon amidon à moi est vraiment clair, fait qu'elle va probablement disparaître dans le prochain test. On va faire le deuxième test, on va vider l'assiette et on refait le test avec la teinture d'iode. On reprend une goutte et on va simplement la déposer dans notre mou de bière. Pour les besoins de la cause, si vous avez comme moi une bière noire à faire, essayez d'en prendre le moins possible pour bien voir la couleur, si elle vient plus noire que le mou ou elle disparaît. Là, présentement, on le voit, là, la goutte disparaît complètement dans mon liquide. Il ne vient pas noir. La teinture d'iode a complètement disparu. Ou si votre iode est plus rouge, elle va rester rougeâtre un petit peu. J'ai fait 3 tests d'iode. Mon premier a été aussitôt que j'ai pris le grain pour mettre dans mon eau pour vous montrer la différence entre un test enzymatique qui était non fini puis un test qui était fini. Le deuxième, il y avait trop de liquide dedans, on voyait mal la goutte d'iode se déposer dedans. Alors j'ai enlevé un petit peu de mou qui était dans mon assiette pour le remplacer pour en mettre moins, pour voir plus le blanc, le contraste entre la couleur de la bière qui était très foncée dans ce cas-ci et mon assiette blanche. Comme ça, on est sûr que notre test est fini. Vous avez pas vu à caméra, on a eu un stock mash. Ça veut dire que le grain a resté tout pris en pain et on n'était plus capable de recirculer. Alors, il a fallu que je mette de l'écorce de riz et que je brasse pour tout mettre ça homogène. Puis maintenant, ça va super bien. Petit truc, conseil, astuce 101. Toujours avoir de l'écorce de riz à portée de main, même si vous pensez de ne pas en avoir besoin, s'il était moulu trop fin ou si vous avez plus de flocons que prévu, ça peut arriver que vous faites un stock mash. Puis quand ça arrive qu'on n'a rien pour le faire, pour régler notre problème, on est vraiment dans la chenoute. Ça va aider aussi à la filtration des drèches quand on va faire notre rinçage tantôt. Ça va permettre d'avoir une belle portion homogène, puis ça va aller un petit peu plus vite pour le rinçage. Fait qu'on se prépare pour passer de cette cuve-là ici à celle-là ici. Pour passer de cette cuve-là à notre cuve d'ébullition, on y va assez tranquillement. Comme qu'on peut le voir, on n'a pas un très gros débit. Il faut y aller graduellement pour pas encore sortir les tanins de notre mâche.
C'est aussi important de sparger uniformément. Fait que quand on va faire le rinçage des drèches avec de l'eau, l'eau était présentement à 180 degrés Fahrenheit, qui est à environ 79 degrés Celsius. Quand on va passer à travers nos tuyaux, on va perdre environ 1 degré, qui va nous permettre de faire une belle pluie au-dessus de notre grain qui a été asséché parce qu'il y a moins d'eau. Et ça va faire le rinçage. Il faut vraiment prendre notre temps pour cette partie-là, pas être pressé, puis faire ça dans les règles de l'art. On rince tranquillement, fait qu'avec notre boule de rinçage, ça envoie de l'eau vraiment partout. Et on va garder tout le temps un 2 pouces d'eau au-dessus de notre moût de bière qui va nous permettre de ne pas oxyder encore une fois notre mash. Pendant ce temps-là, on peut voir présentement que ça continue à rentrer dans notre cuve tranquillement. Fait qu'on va garder un débit assez constant entre les deux. Notre essage des drèches se continue. L'important, c'est qu'il faut voir ça pareil comme une montagne, quand il y a une petite pluie sur une montagne. Si on va trop vite, l'eau est très, très, très paresseuse. Elle va passer à travers les parois ou elle va se créer un sillon dans notre mou de bière ou dans notre bed, dans notre lit. Elle va créer une rivière ou un canot préférentiel où que la majorité de l'eau va passer et on ne va pas extraire tous les sucres qu'on a besoin. Pour augmenter ton efficacité, il faut que tu prennes ton temps dans cette section-là. L'eau va aller chercher vraiment tous les sucres qu'elle a besoin. Mais il faut faire attention quand même. Si on a une bière à basse pourcentage d'alcool, 3,5-4%, on risque de laver l'écorce. Et si on lave l'écorce, on va sortir des tanins des écorces. Puis ça, on veut pas ça. Ça va créer de l'astringence. Puis dans la bière, on n'en veut pas. On continue notre transfert de cuve mash à ébullition, eau chaude par-dessus la cuve de mash, puis après ça, on porte ça à ébullition, on rajoute nos houblons. Vous savez, vous me connaissez, j'aime ça vous expliquer comment faire de la bière, mais tu le savais que le brasseur avait une boutique en ligne aussi, que tu pouvais commander ses recettes, que tu pouvais commander ses matières premières. La meilleure façon de m'aider à vous aider, à vous montrer des vidéos comme que je fais présentement, c'est d'encourager le brasseur en achetant en ligne le plus possible ou en faisant des dons. En dessous de la description de la vidéo, vous pouvez m'envoyer un petit 2$. Juste 2$ peut faire toute la différence si le monde participe tout ensemble. Si vous n'êtes pas intéressé, vous continuez à m'écouter, partagez ma vidéo. Certaines personnes vont aimer faire de la bière. Je vais apprendre à nouvelles personnes et ça, j'adore ça, vous montrer et vous expliquer comment créer cette magnifique boisson qui est la bière. La bière, si tu ne savais pas, ça fait des milliers d'années que ça existe. Et c'était les druides avant qui en faisaient. C'est pour ça que j'ai un druide sur mon bras. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nouveau tatou. Je suis tout sale à cause que dans mon mou. Mon petit dernier, Gambrinus. Il commence à pleumer, on l'a fait lundi. Fait que c'est un petit peu normal qu'il soit plus blanc un petit peu parce qu'il pleume présentement. Toujours aussi regarder qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on jase la caméra parce que faut pas mettre trop d'eau comme j'expliquais tantôt. Un petit 2 pouces, c'est parfait. On regarde le débit ici, c'est parfait. Puis on continue le rinçage. C'est une partie, oui, qui est longue, oui, qui est plate des fois. Il faut travailler un petit peu plus fort, mais je vous conseille fortement de prendre vraiment votre temps. Si tu regardes mon système de brassage en arrière puis tu te dis « Wow, c'est vraiment cool, mais moi, je veux pas avoir ça », c'est possible de brasser soit dans le Grandfather, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai faites sur le Grandfather. Le dernier tutoriel, comment faire une bière de A à Z, va être avec le Grandfather et tout l'équipement de Grandfather. Vous pouvez faire de la bière de qualité extrêmement élevée, même meilleure de ce que vous achetez, parce que vous allez la faire à votre goût et non au goût de tout le monde. Fait que je vous conseille fortement que si vous n'avez pas encore commencé à brasser, écoutez les vidéos, apprenez. Venez au brasseur vous équiper, achetez votre matière première, puis vous allez vraiment pas le regretter. Vous me voyez souvent avec un café dans les mains, hein? Je le sais, c'est le matin. On est... il est 8h59, on est rendu au transfert, ça se fait quand même assez bien. Puis je vous montre un petit peu l'équipement, si ça vous intéresse. C'est sûr que ça vous intéresse de regarder l'équipement. Alors ici, on a notre cuve d'empattage qu'on va mettre nos grains dedans pour sortir tout l'amidon qui est disponible.
On a une petite valve ici, un flow control de Blickman qui nous permet de vérifier le débit. Une autre valve ici pour pouvoir rentrer quand on fait notre circulation. Boum! Notre boule de rinçage qui sert principalement à asperger notre sparge. Asperger notre grain plutôt. Pour y aller vraiment tranquillement, ça fait une belle pluie comme vous pouvez le voir. Et ça va partout, partout, partout. Ça l'aide vraiment à ramasser toutes nos grains qu'on peut y avoir. Dans la prochaine cuve, la cuve du milieu que vous voyez souvent en vidéo, c'est la cuve d'ébullition. Avec notre tube juste ici pour faire le moins de splash possible et utiliser pour faire notre whirlpool à la fin. Je vous explique ça tantôt, c'est quoi un whirlpool. On a deux éléments dedans. Les éléments qui sont juste ici en arrière. Deux éléments de 5500 watts. Encore une fois, Blickman, comme chaudron, commandité par Blickman. Ils me l'ont envoyé pour que je le fasse un review avec. Vous avez sûrement déjà vu la vidéo. Le petit side gauge ici qui est vraiment pratique pour voir la quantité de mou qu'on a dans notre chaudron. On a les deux pompes. La pompe pour recircler Blickman et une marge pour faire le sparge. Notre eau de sparge. Chaudron avec un élément chauffant 5500 watts à l'intérieur avec une sonde de contrôle. Une petite valve ici pour contrôler la sortie pour quand on le remplit puis on le ferme. Et la bête, notre panneau de contrôle que Gab m'a donné des nouveaux stickers. Si vous savez pas c'est qui Gab, c'est ma nouvelle employée que vous avez probablement déjà vue. Trois petits nouveaux stickers à rajouter dessus. Plus tout le reste qui va avec. Hein, vous voyez que j'aimais la couleur, fait que... Il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur de ça. Panneau de contrôle ici. À l'intérieur. Je vous ferai un petit tutoriel si ça vous intéresse d'en fabriquer un à la maison. Par contre, il faut savoir que panneau de contrôle égale électricité égale eau. Il nous faut notre petit disjoncteur GFCI qui va vous permettre que s'il y a une fuite de nuit de la terre, de pas prendre un choc et d'être électrocuté et d'en mourir. Parce que oui, on peut mourir en faisant de la bière si vous êtes mal équipé. Je vous conseille tout le temps de bien vérifier vos réglementations et de vous protéger. C'est le plus important, c'est d'avoir du plaisir, mais c'est aussi de vous protéger parce que ce sera plate de mourir en faisant de la bière. Juste en dessous ici, on a notre refroidisseur à plaque. Petit update 101, j'ai rajouté juste ça ici, deux cailles. Un caille avec du glycol à cause de mon glycol pack qu'on va refroidir l'eau parce qu'ici au Québec, il fait chaud. Fait que l'eau est trop chaude, est à environ 26 degrés puis il faut descendre à 20 le plus rapidement possible. Alors dans le premier, juste ici, serpentin, on a notre glycol qui passe pour refroidir de l'eau. Et dans l'autre, on a notre eau qui va passer à contre-courant dans notre refroidisseur à plaque qui va permettre vraiment de bien refroidir notre moule le plus rapidement possible. C'était la petite démonstration du système de brassage. Le truc de fils de brasseur! Petite nouvelle partie, vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Je fais de l'écume, j'enlève l'écume. Je fais de l'écume. Ah. J'enlève l'écume qui se trouve être au-dessus, la petite mousse, fait qu'on va écumer. On va enlever la mousse. C'est une mousse de protéines qui n'est pas nécessairement bonne pour la bière. Ou elle va se coaguler au fond, ou elle va se ramasser dans le trouble. Puis ça prend plus de temps à chauffer, c'est plus compliqué à chauffer aussi. Fait que c'est pour cette raison-là que je décide de l'enlever. Fait que tout simplement avec une passoire, on va prendre le trouble qui est ici et on va tout l'enlever au complet. Ça va aider. Ça enlève les protéines. Vous allez voir qu'il y a plein de protéines dedans. Le boil va aller un petit peu plus rapidement. Ça va éviter aussi de faire des boil over. On peut voir ici qu'il y a toutes les protéines qui sont là. C'est toutes des mauvaises choses. Ça, c'est du Star Sand. Ça fait de la mousse, puis c'est normal. Les gants, tout le temps important d'utiliser des gants quand on va travailler avec de l'eau bouillante ou du mou bouillant. Ça va vous empêcher de vous brûler. Vous le savez, je me suis déjà brûlé le bras au complet. Maintenant, il paraît plus.
mais je m'avais brûlé le bras complet, fait qu'il faut faire attention. Pour cette recette-là, on a juste un houblon d'amertume qu'on met à 60 minutes. On est rendu au boil, fait que ça bouille déjà. Fait qu'on fait juste rajouter notre petit houblon. Fait que première partie, ajouter notre houblon. Deuxième partie. La deuxième partie, c'est de ne pas oublier de démarrer notre compteur. Boum! Notre houblon, il est là. Le boil est diminué parce qu'on a rajouté du froid. Et on va commencer l'ébullition pour une heure complète. Pendant ce temps, on va nettoyer ce petit chaudron-là ici. Parce que hein, la vie d'un brasseur, c'est de nettoyer, malheureusement. J'espère que ta femme n'écoutait pas pendant que je disais ça. C'est à cette heure que tu es capable de faire le lave-vaisselle. Petit récapitulatif de qu'est-ce qu'on a fait. Pendant la fin de l'ébullition, il y a eu beaucoup de clients, fait que j'ai pas pu vous le montrer. À 15 minutes avant la fin, on a rajouté la carragényle ou le Irish Moss. Ça va prendre toutes les protéines en suspension et les faire coaguler au fond. On a aussi par la suite parti la pompe pour recirculer constamment pour faire, premièrement, le Whirlpool, qui est le tourbillon pour prendre tous les sédiments, les houblons et les mettre en plein milieu. On a aussi restérilisé notre refroidisseur à plaque en passant le mou bouillant à travers pour être sûr que tout soit vraiment bien stérile. Par la suite, on a démarré l'eau froide. Je vous ai montré tantôt mes deux coils. Ça fonctionne plus ou moins bien. Il fait encore super chaud au Québec. Il fait encore super chaud présentement pendant que je fais cette bière-là. Alors, on a un petit peu de difficulté avec notre eau froide qui n'est pas très, très froide. On va travailler sur un nouveau système pour refroidir le plus rapidement possible. Ça fonctionne, mais pas assez vite à mon goût. Fait qu'on a quasiment fini de refroidir. Je vous montrais tantôt, ou je vous parlais tantôt, de l'autre chose qui nous manquait, le petit strainer, ou la petite crépine, comme dirait mon ami. Ça sert simplement à empêcher les houblons de pénétrer dans la refroidisseur à plaque et de le bloquer, ou les protéines. Fait que je l'ai mis un petit peu en angle. Dedans, il y a une plaque trouée, si vous voulez, qui permet de bloquer. Plus longue dedans, ça permet vraiment de garder tous les sédiments dedans. Ça l'aide vraiment quand vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de houblon. Il reste simplement à refroidir et mettre ça dans mon fermenteur en attendant que mes clients viennent chercher leur mou de bière. Alors si on revient au début, on a fait l'empattage à 155 pour avoir plus de sucre résiduel. Par la suite, on a fait le transfert et on a pris notre temps pour faire notre rinçage des drèches. On est allé le porter dans la cuve d'ébullition, ce qu'on a fait une ébullition d'une heure. On a rajouté juste un houblon pour l'amertume. On veut juste balancer les côtés grains et les côtés plus sucrés de notre grain parce qu'on a mâché plus haut. On a refroidi, on a stérilisé, refroidi, et là, on va faire notre transfert. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis, on se dit dans une prochaine vidéo, les amis. Bye. Oui, je suis sur l'eau présentement.